Jim Lawahe, le ministère Wadjao de la Santé, l'anima technicien Kao, le ministère de la Santé, le paranivano scolaire, il dit Wadjon Fayenni et situation, il y a un petit hâte, le wana, le wali, le vario de singe. Kao, wali unu, la sina mesivam, kao nu wali waranzi aswili, shamun hâte, alhamdulillah, la sina maha na maha, kuja farhaniha, sha vi, le contexte actuel, ikao ungejumrao harumai luni ya nana tena haswa harumai lejiwe Afrika ya wizara mwaiwenza yonu mafaka iliwa kazi wakumoa wa shili warambue henamna situasyon iliwa harumai mabara yotikia awuti na ulata wakati lelor paranavano jefanyo ay point de presse ti conference de presse cha point de presse ili ministeri jitamuke imonisi yonisi wakazi inga sindahunga nidaundahu ezifali kiwekao za he wizara nidaula iyo wekao ya fariki ya wetina ula tawakati ngarduwe shili ya sekretari general aklasi ya hemi ya wazir ili ya unise kwende kusiyo uudua kazi kamili mshile mziki la mizi tanga zumahala wekao la hemi na ukaribishele marahaba wa mjitekele zuhami wangu mwanzi pia marahaba menishofa karibu bwana mwanzishi cher journaliste cher confrère j'ai l'honneur ici de prendre la parole pour exprimer le point de vue du gouvernement comorien face à la situation actuelle de la variole du singe. Amen. Ceci donc est un point de presse. Je vais m'exprimer d'abord en français, puis après je ferai quelques résumés en comorien. Donc, je lis donc les résolutions. L'épidémie de monkeypox ou la variole du singe est une urgence de santé publique de portée continentale au niveau de l'Afrique, voire mondiale. Les pays de notre zone, allant de la République sud-africaine au Kenya, pour ne citer que, ont déclaré la maladie du singe. Et un cas est apparu en océan Indien, au niveau de l'île de la Réunion. La menace est donc réelle et notre pays ne peut pas rester les bras croisés. Il est à noter que jusqu'à présent, il n'y a pas de cas déclaré en Union des Comores. Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de la Santé, s'est penché sérieusement sur la question. Et une réunion multisectorielle s'est effectuée. Des mesures ont été prises pour limiter les risques, assurer un diagnostic correct de la maladie, éviter la propagation et éduquer la population. Ces mesures sont, premièrement, déploiement d'équipes sanitaires au point d'entrée, port et aéroport, et au niveau des points de passage portuaires et aéroportuaires. Ces équipes sont chargées de contingenter les flux de passagers venant de l'étranger, de les sérier, de détecter les cas avérés ou suspects et de faire une veille épidémiologique par des suivis ciblés. Doter le pays, donc c'est la deuxième mesure, doter le pays de moyens sûrs et fiables de diagnostic, permettant en instantané d'affirmer ou d'infirmer les cas de variole de singe. Les laboratoires ont été désignés au niveau national avec des kits de tests en conséquence. Troisième mesure, réactiver et instaurer le mécanisme de sensibilisation et de communication tant auprès du personnel de santé que de la population via les agents de santé communautaires, les comités villageois de santé et les bases administratives et sociales dont dispose notre pays. Le gouvernement garde l'alerte et se tient prêt pour prévenir mais aussi pour contenir un éventuel cas, ce qui n'est pas encore arrivé, fort heureusement, et je vous l'assure pour le moment. Ainsi, ces mesures de prévention et de recherche diagnostique
vont s'accompagner de préparation des sites d'accueil et d'isolement éventuel en cas de situation déclarée. Je vous remercie. Je vais prendre le micro.